Ludovic Koh-Lanta, blessé, les coulisses de son intervention. Le candidat de TF1 a bien cru que son aventure allait s'arrêter. Blessé lors d'une épreuve, Ludovic a été transporté d'urgence à l'hôpital. Un moment sur lequel il est revenu lors d'une interview. Grosse frayeur pour Ludovic lors de l'épisode Koh-Lanta All-Star diffusé le 30 mars 2018 sur TF1. Au cours de l'épreuve de confort, le Bourbrin a été malencontreusement blessé par son coéquipier Olivier. Ce dernier lui a donné un coup de genou au visage, ce qui a provoqué l'arrêt du jeu. Très vite, le membre des Wakai a été transporté par les médecins vers l'hôpital le plus proche, afin de suivre des examens complémentaires. Un passage aux urgences sur lequel Ludovic s'est épanché au détour de son entretien pour nos confrères de Télé 7 jours. Hospitalisé, j'ai dû passer une IRM. C'était heureusement une blessure sans gravité. Un peu sonné tout de même le lendemain, mais rien de méchant, a confié le survivant de 40 ans. Ludovic a ensuite admis qu'à ce moment précis, il a pensé à sa femme ainsi qu'à ses deux enfants. Il n'aurait donc pas réintégré l'aventure, s'il ne se sentait pas au maximum de ses capacités, le but, ce n'est pas de rentrer en morceaux. Mais ce n'était pas le cas, il a donc rejoint les jaunes afin de disputer l'épreuve d'immunité.